On peut observer aujourd'hui, c'est que chaque acteur dans son coin atteint ses limites d'une certaine manière. Donc les entreprises de leur côté ont des difficultés à gérer leur appréhension du contexte sociétal de plus en plus complexe dans lequel elles évoluent. D'un côté, on a les pouvoirs publics qui atteignent aussi leurs limites dans la gestion de dispositifs d'intérêt général, et notamment dans un contexte de baisse des financements. Et du côté des entreprises sociales, il y a aussi des limites en matière de développement, de changement d'échelle pour ces organisations, de professionnalisation et de démultiplication des impacts. Donc dans ce cas, on a tous des choses à s'apprendre et les entreprises sociales ont beaucoup à puiser dans les moyens, dans les expertises très pointues des grandes entreprises pour pouvoir introduire ces notions-là et puis cette culture de la performance au quotidien dans leurs projets. De l'autre côté, les entreprises sociales peuvent aussi apporter beaucoup de choses sur leur connaissance des publics, des territoires, des acteurs publics, etc. Il y a de toute façon une première étape, à mon avis, indispensable, qui est d'apprendre à bien se connaître. On est ces acteurs, les acteurs publics, les acteurs privés, les entreprises sociales se regardent un peu en chien de faïence depuis des années. Il y a des expériences de collaboration abouties, mais on est sur des cultures relativement différentes et sur des mondes d'évolution qui sont aussi pas tout à fait abordés de la même façon. Le deuxième point tout de suite derrière, c'est de repérer clairement les enjeux clés qui vont permettre qu'un projet fonctionne. Très clairement, nous on travaille aujourd'hui sur les problématiques clés des entreprises. Quelle est leur problématique épine dans le pied, sur quoi aujourd'hui elles ont des difficultés à avancer très concrètement. À partir de là, on regarde non plus un certain nombre d'impacts sociétaux réalisés à la marge ou des politiques de RSE qui survolent une quantité de sujets assez importante. On réfléchit, on regarde les projets dans une logique core business prioritairement. Il y a un élément qui est absolument clé aussi dans la réussite de ces projets collaboratifs un peu nouveaux finalement, c'est la question de la gouvernance de ces projets. On réunit des acteurs, c'est pas parce qu'effectivement on est a priori OK pour mettre en synergie des expertises que ça va forcément fonctionner. Donc il s'agit dès le départ aussi de définir très concrètement qui fait quoi, comment est-ce qu'on organise chacune des étapes clés du projet. Et dans quelle mesure on va faire une juste évaluation des choses pour que chacun soit bien positionné sur sa compétence de base, sur son métier, sur ses forces, et que, évidemment, derrière, la collaboration soit fluide. Il y a beaucoup d'intérêt à participer à ce type d'initiative. D'une part, parce qu'on parle beaucoup de co-construction aujourd'hui. Tout espace ou tout moment, tout regroupement qui va permettre de travailler très concrètement sur ce sujet sera forcément bénéfique. Aujourd'hui, les systèmes sont sous tension, tiraillés par les actionnaires, tiraillés par le manque de financement, tiraillés par le marché et la demande des consommateurs qui est de plus en plus précise. Cette initiative est tout à fait positive. Elle va permettre à des gens, et notamment des structures comme le groupe SOS, qui ont longtemps été des structures qui ont travaillé sur des logiques de réparation, de prise en charge des publics en difficulté, de règlement de problématiques sociales, pour devenir des acteurs de transformation. Il faut que les écoles prennent le lead sur la volonté d'ouvrir leur programme pédagogique à ces initiatives-là. J'ai fait une école de commerce aussi. À mon époque, on n'a absolument pas abordé ces questions-là. Donc, je suis ravi de voir qu'aujourd'hui, les étudiants s'y intéressent, que les écoles prennent des engagements de ce côté-là. Je trouve que ce qui émerge là est une vraie chance pour les étudiants aujourd'hui. À mon époque, on avait une seule façon de voir les choses. Les programmes aujourd'hui, tels qu'ils sont construits, permettent aux étudiants de s'ouvrir à d'autres formes d'entrepreneuriat, permettent de comprendre aussi mieux l'environnement dans lequel ils évoluent ou ils évolueront professionnellement demain. Donc c'est une vraie chance pour eux de pouvoir accéder à des programmes pédagogiques de ce type. Il faut que ça se multiplie, il faut progressivement que ça rentre dans les cursus tronc commun, de manière à ce ne soit plus des formules optionnelles, mais que
on aborde ces questions-là peut-être bien plus tôt et de manière un peu plus conséquente dans les cursus.